بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تغضب الله سبحانه وتعالى نوفل في بنجيشولو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أو بنجمن كنا إيمان اتقوا الله إن لقينت والله سبحانه وتعالى غيش دان لا ليميت دالله سبحانه وتعالى سو ريغليمون با اوبيي با ابليك سو كوماندمون اي غيش لوين اي سو بان ديفوندو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اي كي شاكان دو نو غيتي كي لين بريباري بو دومان، كي شاكان دو نو غيتي كي لين بريباري pour les joindre Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha khabirum bima ta'amaloun. Allah subhanahu wa ta'ala les déjà au courant qui nous peut faire, frère en islam, les déjà connaît et les bien informé de ce qui nous peut faire en public, en secret, en groupe ou bien individuellement. Allah subhanahu wa ta'ala les connaît toutes choses. Vous savez, c'est là très important dans la vie, quelqu'un qui a envie de faire succès dans l'akhirat, que Allah subhanahu wa ta'ala peut demander nous pour nous préparer nous pour sa grand jour, l'yawmin azim. Allah subhanahu wa ta'ala alors il appelle ce jour-là comme un grand jour extraordinaire, parce que ce jour il y a beaucoup de choses qui sont tellement embarrassantes, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous yawma tubal as-sarair, le jour que le secret il peut venir public. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. Et aussi Benjamin, vous êtes pouvin d'une façon dans l'audience de chacun de nous. Chaque Jimon pour faire votre propre commentaire. Et l'audience pour dire ça c'est Benjamin qui fait une cause mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. يوم يفر المرء من أخيه. Le jour que Benjamin pour sauver qu'il peut trouver son frère. وأمه وأبيه. Il peut trouver son maman, il peut sauver. Il peut trouver son papa, il peut sauver. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Chaque démon ou préoccupé avec ses propres difficultés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire à nous dans un hadith qui est rapporté par Bukhari, يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة عرلا. Le jour de قيامة démon pour ressusciter ni pieds sans vêtements et sans circoncision. عائشة رضي الله عنها على فين دمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكي بان زوم بتروف لكو بان مدام محمد صلى الله عليه وسلم بيجي
ce moment-là, tracas si temps pour un homme, que Dieu pas pour gagner le temps même, calculer qui s'en a à côté de lui. Sa quantité de tracas que Dieu pour un là, il n'est pas pour essayer de comprendre qui s'en a à côté, pas derrière ou bien devant lui. Un bédouin fin dit, Ya Rasulallah, mettez ça, quand ça, Qiyama, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, ماذا أعددت لها؟ كي تن préparé pour يوم القيامة. Alors frères en islam et sœurs en islam, il est clair que un de ban zéfo qui est un musulman bien fait, qu'il est préparé pour demain. Pour demain, ultérieurement c'est quand nous débout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'ultime. Mais dans la réalité, frères en islam et sœurs en islam, demain c'est n'importe quel moment. Parce que personne ne connaît quand il pour mort. Wa ma tadri nafsu madha taksib ghadan. Un jour, il ne connaît pas demain qui peut arriver, talia qui peut arriver. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Et un jour, il ne connaît que ça, dans quelle place, dans quel pays, qui Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer ange de la mort, vient prendre sur la vie. Alors, ça l'aude depuis Allah subhanahu wa ta'ala, qui un jour prépare pour demain, qui veut dire. C'est un effort continuel dans la vie d'un musulman pour qu'il y évalue chaque action qu'il peut faire, chaque parole qu'il peut dire, chaque pensée qui peut venir sur la tête, chaque action qu'il peut faire, chaque réaction qu'il peut réagir, il a besoin dans l'immédiat, dans l'instant qu'il finit faire sa action-là, dans l'instant qu'il finit cause sa parole-là, réfléchir concernant est-ce que il fin obéit à Allah ou bien il désobéit à Allah? S'il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant, n'importe quand il fait une action, qu'il ressentit que ça c'est une bonne action. Parce que l'action là est conforme à Coran, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est conforme à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il fait une obéissance, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui à la base qui vient faciliter pour faire sa bonne action. Alors le croyant qui lui dit une bonne parole, qui lui fait une bonne action, lui tout le temps dit Alhamdulillah, wa shukru lillah, tout remerciement pour Allah, tout louange pour Allah, tout éloge pour Allah. Les remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que non, rien n'est pas capable de réaliser sans permission Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi qui nous adorais. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rappel Iyaka nasta'in. C'est avec ton aide qui, avec sa aide là qui nous réalise sa quelque chose. C'est avec toi qui nous cherche aide. Qui veut dire tout ibadat qui nous peut faire, c'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous tenons muadzin dit hayya ala salah, nous dit la hawla wa la quwwata illa billah. Mais aucun la force, aucun quelque chose capable de bouger par ici, par là-bas, accepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le croyant, frère en islam et sœur en islam, quand il finit faire une action, dans l'instant qu'il finit faire sa action, dans l'instant qu'il finit cause une bonne parole, dans l'instant qu'il finit faire une salat, dans l'instant qu'il finit donner un sadaqa, dans l'instant qu'il finit lire le Coran, dans l'instant qu'il finit faire dhikrullah, qu'il finit remercier Allah, tout cela mérite reconnaissance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mérite qui les reconnaissant vis-à-vis Allah, il dit Alhamdulillah. Il dit Astaghfirullah. Peut-être il y a un manquement là-dedans. Il retourne ça, sa privilège, sa faveur, qui Allah qui finit faire, il fait ça. Allah qui finit donner ça. Pareil comme Suleyman, l'exemple, vient depuis en haut, frère en islam et sœur en islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala finit donner un royaume extraordinaire. Quand la reine de Saba finit venir, comme quoi pour influence, décision de Suleyman, alayhi salam, et il trouve comment Suleyman, Yen, le roi le plus puissant qui l'histoire de l'humanité fin connaît. Et quand surtout, quand Suleyman, alayhi salam, un de Soban, soldat fin fait doua, et trône de la reine de Saba fin paraît dans l'instant qu'il fin fait doua, qui Suleyman fin dit. Il retourne toute sa faveur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il pan dit, mais pas la fausse. Pas mon intelligence, pas mon armée, pas mon puissance, pas mon richesse. Non, le croyant, tout quelque chose qu'il fait comme le bien, comme bonne action, il dit, Alhamdulillah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui finit de moi ça.
هذا من فضل ربي. Voilà Sulaiman alayhi salam ce parole. هذا من فضل ربي. Ça qui n'est arrivé là, c'est pas faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui fait faveur, l'on pas facilite nous pour faire ibadat Allah. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala pas fait faveur l'on pareil comme Pharaon. Pharaon, le dernier moment de sa vie, il finit en vie, dit la ilaha illallah. Quand il finit trouve de l'eau, sa 12 chemins qui finit tracé dans la mer, combien veut dire qui se hauteur et qui quantité millions de cubes de l'eau, puis descend, l'eau il connaît, il peut le mot. Ce dernier action qu'il finit dire, amen tout. أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. مؤمن إيمان dans celui dans laquelle بني إسرائيل فين من إيمان. بجد dans الله سبحانه وتعالى. mais dans ce moment-là الله سبحانه وتعالى pan les li. جل لا إله إلا الله. الآن الله سبحانه وتعالى جل يستلا. وقد عصيت وكنت من المفسدين. alors que auparavant tu t'es désobéi, tu t'es pas إيمان désobéi. astère. dans hadith Bukhari Jibril alayhi salam peut dire ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce moment que Pharaon peut prononcer la ilaha illallah, mon prend la boue dans sa main et mon fonce dans la gauze pour qu'il n'y pas dire la ilaha illallah, parce qu'il n'y pas si mérite pour dire la ilaha illallah. Donc Pharaon Islam qui ne trouvait pas ça, que le croyant tout ce qui arrive lui comme bon, si Zorji il peut venir salatul jum'a, si le matin il peut faire salatul fajr, s'il est trouvé dans le droit chemin, connaît certaines faveurs de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala trouve quelque chose de bon d'en haut. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala se pitié de nous. Qu'il facilite nous pour nous vivre dans l'obéissance à Allah. Mais de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a envie, il ne donne nous sa privilège pour qu'il nous vive dans l'obéissance à Allah, parce qu'il ne nous pas mérité. Enfin, Jimon Kabaf, pas mérite. Qui est divine parmi les musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de choses, de manquements dans les qui Allah pas content. Donc voilà la première chose qui nous besoin faire, frère en islam. Remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance qu'il nous peut faire. Mais sinon, frère en islam et sœur en islam, comme préparation pour le moment que la mort pour une jeune nous, parmi les préparations qui nous besoin faire, ne besoin pas tomber dans sa bonne catégorie, ban jimun qui Allah subhanahu wa ta'ala fin djianu. Qul, djazut, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Est-ce que j'ai envie qu'on, ban qui fin, perdi les temps dans une bonne action, ban qui fin fait défaite dans l'action. Je pas fin reste comme ça même, je fin fait action, je fin fait effort, je fin travail, je fin pratiquer. Mais seulement, je viens faire défaite dans cette pratique. Deux catégories du monde. Qui viennent faire défaite dans cette pratique. Un, ils viennent faire le contraire de ce qu'Allah fin djali. Ils viennent faire le contraire de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une pratique indigne qui peine à sa source depuis le Coran et ni depuis l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, frères en islam et sœurs en islam, ça c'est réalité beaucoup de musulmans. Ou trop autres peuvent faire des efforts. Pour, comme pour soi-disant faire Allah plaisir, peut faire sacrifice pour faire Allah plaisir, peut faire tout pour soi-disant montrer autres reconnaissant vis-à-vis Allah, pour exprimer autres l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout ce que vous pouvez faire, Allah peut résister sa bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala peut résister sa bonne action. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, celui qui a une autre façon de vivre apporte à l'islam, falain yuqbal min Allah subhanahu wa ta'ala pas pour accepter ça de lui. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, et le jour de la résurrection de l'akhirat, li pou parmi ban perdants. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, n'importe qui, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'importe qui jimoun li pratique n'importe qui affaire qu'il peut trouver capable bon, mais li pas d'après mon principe, fa huwa radd. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rejeté. Alors, peut-être beaucoup de monde, il peut préparer pour demain, venir devant Allah, avec une bonne action entre parenthèses, d'après lui. Mais malheureusement,
sa bonne action qu'il peut trouver bon là, pas bon. Ça veut dire qu'il fait khasarat dans l'action. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا بَنْ كِنْ فِيَ دِفَتْ دَنْ أَكْسِيُنْ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَنْ كِنْ فِيَ زِفَوْ dans sa la vie mondaine. Donc, il fait zéfo, mais seulement qui arrivait, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ Je ne peux pas penser, je ne fais bon, mais devant Allah, zéro. Alors donc, un musulman, les besoins, un croyant, les besoins guettés, sa zéfo qui m'en fait, sa action qui m'en fait, sa parole qui m'en dit, qui m'a pensé, les bon, est-ce qu'il est vraiment bon? Attention, je tombe de sa catégorie, qui tout sa zéfo là, pour rien du tout, parce qu'il n'est pas cadré avec le Coran, il n'a pas cadré avec Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une troisième préoccupation de sa croyant, qu'il ait envie de préparer pour demain, frère en islam et sœur en islam. Un demon qui ait envie de préparer pour demain, un de bonnes petites choses qu'il ait besoin, pas fauter là-dedans, qui malheureusement une bonne partie musulman dans sa catégorie-là, quand nous quitte bonnes petites choses fondamentales, urgentes, prioritaire et nous dépense nous l'énergie dans une petite chose qui est moins important et secondaire. Sinon, frère, en islam, dans l'islam, tout quelque chose est important. Oui, tout quelque chose est important. Un sunnah important comme un pharas important. Mais seulement, il n'est pas intelligent de la part d'un croyant qui lui fait des efforts. Le bonne petite chose qui, d'après règlement, moins urgent au détriment de quelque chose qui est fondamental, qui est nécessaire. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de gens qui sont capables de faire une activité, de dépenser sur la vie, de dépenser sur l'énergie. Pareil, par exemple, ils peuvent donner des gens manger, ils peuvent faire sadaqa, ils peuvent faire khayrat, ils peuvent souffrir, ils peuvent souffrir un coup de main, ils peuvent s'associer dans la difficulté, ils peuvent combattre l'immoralité. Alhamdulillah, c'est une chose énorme parce qu'il nous dit tout quelque chose d'important dans le dîn Allah. On donne le bien. C'est une chose obligatoire, importante. Empêche le mal, c'est une chose obligatoire et importante. Aide nos frères, c'est une chose qui est extraordinaire. Donne charité, c'est une chose importante. Donne le support, nos frères, si elle est dans une difficulté, c'est tout une chose qui est importante. Combattre l'immoralité, c'est une chose nécessaire. Mais seulement, frères, en islam, il ne faudrait pas nous trouver dans sa catégorie qui peut commencer par être. Ça dit, mon là, depuis le matin, jusqu'à Maghrib, il n'est souffrir. Il donne une portage zakat, une portage ration, une console souffrir musulman, il donne un support, il donne un coup de main. Mais seulement, salat zohar, il ne peut pas faire. Salat asar, il ne peut pas faire. Salat maghrib, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire salat. Donc, il y a une catégorie du monde qui peut faire ses efforts. Il y en a celui qui est propre vis-à-vis de souffrir. Il a envie de faire du bien. Mais seulement connaît frère en islam, et n'a pas de chose qui faudrait pas nous briller quand nous venons devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sinon, frère en islam, tout ce qui nous peut faire, si nous ne pouvons pas faire ce qui est nécessaire, ce qui est fondamental, là, tous les restes n'y pas pour aucune valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous présentons devant Allah subhanahu wa ta'ala avec toute bonne action qui nous vient faire, l'eau la terre, concernant nos frères vis-à-vis nos frères, concernant sadaqa et nos frères, donne-lui un support, donne-lui un conseil, donne le bien, empêche le mal, mais nous ne pas faire un fondamental, peine salat dans nous la vie. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit? Celui qui vient devant Allah subhanahu wa ta'ala, l'infil de salat, non, rien pas rester de bon. Le pire qui peut arriver, si l'in passe dans salat, les restes viennent faciles. Alors donc, le musulman, il ne peut pas faire sa iréa. Il ne faudrait pas lui faire sa iréa, l'oublier lui-même au détriment des autres. Il peut faire les deux. Les besoins, sauve-le, veille-le et en même temps fait sa bonne petite chose qui est très noble, qui malheureusement beaucoup de monde ne peut pas faire. Travail social, une petite chose qui est très importante. Mais en même temps, quand il peut faire une petite chose de social pour son frère musulman, pour la communauté, pour l'humanité, en même temps, les besoins ne pas oublier. Ya yuhalladina amanu, ô ben jimon kene iman, qu'ou anfusakum wa ahlikum nara. Sabzot même avec votre famille, j'y fais l'enfer. Zotte avant, pareil comme un frère, ou bien un tcha-tcha, ou bien un papa, il peut venir quitter ses enfants dans masjid, dans madrasa, pour apprendre le Coran, mais lui, il n'a pas envie d'apprendre le Coran. Il n'a pas qu'on l'aime sur la tout le Fatiha. Est-ce que sa action-là, il est honorable devant Allah? Jamais il est honorable devant Allah. Parce qu'il n'est pas capable
jusqu'à un regain tracas du bien-être mes enfants, mon madame, mes familles. Et c'est même oublié pour moi, je ne trouve pas ça important. Allah subhanahu wa ta'ala, puis dit le Coran, Mourouna nasa bil bir, est-ce qu'ils ont ordonné Banjimoun pour faire des choses nobles? Ils ont ordonné Banjimoun pour faire des choses qui sont bonnes. Et en même temps, ils ont oublié eux-mêmes. Afala ta'aqiloun, est-ce qu'ils ont n'appelé un raisonnement? Alors donc, très important, frère en islam, quand nous disons prépare pour nous-mêmes, quand Malak al-Mort pour venir, ou bien demain quand nous vous présentons devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous besoin aussi questionner nous-mêmes. Est-ce que nous ne fait assez pour nous? Est-ce que nous ne fait assez pour nous? Nous pensons pour dire, alhamdoulilah, comment nous dire, c'est une chose extraordinaire, très noble. Mais est-ce que nous pensons pour moi, pour mon propre lapin, pour mon propre salut, le jour du Qiyama? C'est ça, veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut attendre de nous que nous n'avons pas fait errer de sa côté. Pareil comme ça même, frère en islam, le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala, j'allais préparer pour demain. Il est important que chacun de nous, quand nous peut faire une erreur, une cause, une bonne action que nous peut faire, mais aussi, nous devons guetter une erreur que nous peut faire. Pour qu'il nous arrive à un niveau que nous ne pas faire erreur, il n'est pas humain ça. Nous pouvons faire rien, nous pouvons continuer à faire rien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous faibles. Wa khuliqa al-insanu da'ifan. Allah fait créer nous de nature nous faibles. Nous oublier. Nous avons manquement, nous avons faiblesse. Kul ibn Adam khata. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tous les enfants Adam fait rien. Mais ce qui est important, frère en islam, nous devons guetter une faute qui nous peut faire. Le musulman les besoins vigilants, conséquences, actions qu'il vient faire. Sa action qu'il vient faire là, qui sont conséquences dans l'akhirat. Parce que toute désobéissance peut avoir la même conséquence. Et il y a une désobéissance qui est une destruction totale. Et il y a une désobéissance qui les consomme en action. Toute désobéissance n'est pas pareille. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner nous une agence pour nous. Faites taouba, chaque coup que nous faisons une erreur, nous devons évaluer nous-mêmes qui erreur nous faisons faire, parce que nous imaginons les conséquences de sa action. Par exemple, aujourd'hui, frère en islam, une des bonnes actions qui peut venir, qui peut faner dans la société, c'est nous adorer un autre à part Allah, l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faire shirk avec Allah, ce n'est pas la question seulement de prendre une statue, de mettre devant moi, de procéder devant une statue, mais shirk le plus vaste. Shirk, c'est comme on prend droit exclusif qui appartient à Allah et on accorde ça à une créature. Droit exclusif, il y a beaucoup de droits qui Allah a. Qui, dans ces quelques minutes, il pas suffit pour nous capables d'expliquer le droit à Allah. Le croyant, il disait connaît, est-ce que les filles prennent droit exclusif qui appartient à Allah, les filles donnent qui ken? Parce que ça, c'est une destruction totale le jour du Qiyama. Tout ça qui nous peut faire comme bon, les pour disparaître le jour du Qiyama avec sa action si nous amène ça devant Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas toléré, il n'a pas pardonné. C'est lui qui finit prendre ce droit exclusif et finit accorder ça à quelqu'un. Wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Mais à part ça, Allah il pardonne n'importe qui rien qui nous finit faire à ça qu'il a envie. Donc le musulman lui est très vigilant. C'est pour ça que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, dans un de ce bandoua qu'il est habitué à faire, il est habitué à demander protection à Allah, qu'il n'a pas associé rien avec lui, qu'il n'a pas qu'aucun droit exclusif à Allah pour lui donner les autres. Ibrahim alayhi salam, prophète, un des plus grands prophètes, peut-être plus grand prophète après Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce dégarçon Ismaïl et Ishaq, Allah subhanahu wa ta'ala vient faire un prophète. Mais Ibrahim alayhi salam, qui peut dire avec Allah subhanahu wa ta'ala? Il peut dire avec Allah, wajunubni, protège-moi. Ibrahim prophète, Rasulullah, il peut dire, Allah protège-moi. Wabaniya, et protège-moi des enfants. Il veut dire, protège ça des enfants prophètes. An-na'bud al-asnam, qui nous pas tombe dans l'idolâtrie idole.
qui ne pas faire idolâtrie, qui ne pas ado idole. Un prophète peut dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqub alayhi salam peut réunir sur 20 enfants. Ma ta'budouna min ba'di. Peut gagner traka, attention sur 20 enfants. Pour elle tombe dans l'idolâtrie. Et sur 20 enfants qui s'en a ça. Yusuf alayhi salam. Ou al-Asbad. Peut-être beaucoup de gens ne pas connaissent. Tous ses frères Yusuf alayhi salam, ben prophète. Allah sur Rahmat fin descend l'eau la famille de Yaqub. C'est pas seulement Yusuf alayhi salam qui fin gagne nubouwet, mais à la, par la suite, après Tauba que je fin faire, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire zot vin ban prophète al-Asbat. Mais quand Yaqub alayhi salam, puis assisé dans son lit, la mort, il peut dire avec ses bons enfants, ma ta'boudouna min ba'di, qui zot pour adorer après moi. Rappel parce que l'idolâtrie est tellement destructive. Les arrivées d'une fraction seconde, qu'un dit monde, vous êtes très vigilant. S'il vient faire ça, vite, urgence, les besoins, faites taouba avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi longtemps, nous encore une roue dans nous l'écho, Allah subhanahu wa ta'ala, les pardonne ban erreur. Bien vigilant. C'est ça qui veut dire, nous peut préparer nous pour demain. Nous veillons la bouche qui nous peut dire. Et comme dit monde, peut-être dans un instant, il n'est pas connu. Il peut faire une forme de shirk qu'il n'est pas connu. Une de bonne forme de shirk qui peut être comme ma tête en train de nous faire nous pas connaître. Là où, si il est parti aller, il est parti pour mourir. Si il est parti faire ça, il est parti pour arriver ça. Si il est parti faire ça, il est parti pour faire ça. Parce qu'il a le, veut dire, connaissance du futur appartenant exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on peut dire si, qui veut dire, moi, je veux dire confirmer si, pas si pour arriver ça, moi, je connais pas ma connaissance, pas si pour arriver ça. Quand on a gagné ça, quand on connaît ça, un qui sort qui, le matin, le soir, peut-être dans le dialogue, dans le causer, nous, pas réalise comment il est dangereux, l'action de shirk, petit ou bien grand. Alors, un musulman, il est bien vigilant pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a filmé devant l'exemple pareil de Coran, comme un prophète, et aussi, ben, du monsage, Luqman, radiallahu anhu. Wa alayhi salam, il peut dire ya bunayya la tushrik billah. Oh mon garçon, pas faire shirk avec Allah. Donc pour montrer nous comment nous besoin vigilants dans nos préparations pour venir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon frère en islam, un de bonnes petites choses aussi qui malheureusement ne pas prend en compte que l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li base l'eau comment nous fin obéir à lui, comment nous fin reste dans son enseignement, comment nous fin reste dans les cadres, de la limite, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça vrai l'amour. Si moi, je me sentis l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si moi, je peux dire, je suis content de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, je ne peux pas faire des efforts pour guetter mon action, lié en accordance à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Demain, je risque de trouver ça l'amour, pas profitement du tout. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, pendant qu'il me poule Al-Kawthar, à côté bassin de Al-Kawthar, inna atoynak Al-Kawthar. Allah subhanahu wa ta'ala fin accorde un demande, khususiyat, exclusivité pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un bassin le jour du Qiyama, qui se grandit plus depuis distance, plus qui, depuis Madina jusqu'à Yémen. Et autour de ça, bassin, il y a un gobelet, qui est aussi nombreux qui ban étoiles. C'est de l'eau les plus doux, qui du miel, et les plus blancs qui du lait. C'est lui qui pour goûter depuis sa bassin, éternellement, il n'est pas pour gagner soif. Seulement, il pour boire, pour amis sur la langue. Juste pour goût. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit pendant qu'il m'a pu atteindre, mon ummad, quand Al-Kawthar, ben musulman peut venir, il peut accueillir son ummad, ummati, jusqu'à qu'il y ait un groupe ben musulman. Bien sûr, un musulman, c'est quelqu'un qui content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fin faire l'apparition. Vous pouvez venir, précipiter, pour venir, gagner sa privilège, pour rester parmi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous êtes venu vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin arrêté brutalement. Brutalement, fin arrêté vous êtes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin étonné. Ummati, ma ummati, ça qui fait, vous pouvez arrêter ça, bandimoun. Ben, on se dit, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, éloigne-toi de ça, bandimoun. Parce que tu n'es pas au courant qui quantité le contraire de fin faire, qui quantité innovation de fin faire. Donc, l'innovation, l'y fait où, l'y pénalise le croyant
quand quelqu'un qui fait une innovation, il fait inventer dans la religion, il fait une quelque chose qui dans l'apparence lui paraît joli, une quelque chose qui dans l'apparence lui paraît une quelque chose qui bon, mais il pas prend en considération qu'il n'y a pas de qui ou capable de faire comme bon. Il besoin en accordance à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah pas accepté non, il n'y a pas de ça. Mais ça va dire, je fais une lettre de l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sorti en déocade, qui je fais une faible action, qui pas cadré avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui n'arrive, je Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par conséquence, fin de je te souhkan. Saut devant moi, allez. Éloigne, je avec moi. Donc, un musulman, faudrait pas arriver sa catégorie banjimon qui perdant dans l'action. Al-akhsaruna amala. Ban qui perdant dans l'action. Je fin faire des efforts. Je fin vivre d'après les autres comme musulmans. Je fin reste dans la limite d'après l'esprit comme musulman. Mais le problème, ça c'est efforts que je fin faire. Sa limite qui je fin rester là, n'est pas en accordance à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je paye les conséquences pour être, veut dire, éloigné, gain poussé depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout cela, ben, quelque chose qui est très important. Et aussi frères en islam et sœurs en islam, al-huquq, un musulman lui veille le droit d'autrui, droit banjimoun. Il n'est pas seulement une relation, le din Allah, ce n'est pas une relation seulement entre le créature et son créateur. Nous l'eau dunya, nous la vie, il bascule en deux kitso, nous relations avec Allah et nous relations djimoun. Qui appelle ça en arabe al-muhamalat. Beaucoup de djimoun pour trouver lui dans l'enfer, pas à cause d'une faire shirk, pas à cause d'une pas faire faraz, d'une faire tout, mais lui pour trouver lui dans l'enfer, pas sa faillite, sa faillite qui n'arrive lui, lui pas ne prend en considération qu'il peut vivre dans la terre. Il y en a pour vivre avec djimoun, il y en a relation, il y en a ben droit à être respecté, droit sur voisin, droit sur madame, droit sur monsieur. Droit sur papa, parents, droit ban musulmans, droit ban non-musulmans, droit aux animaux. Combien il y a de Coran et de Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui conséquence, qui nous une négligence dans nous la vie relationnelle avec ban créature d'Allah, qui est capable de coûter nous paradis bêtement. Parce que désobéissance, c'est quoi abstenir? Abstenir, peine à ça. Faire quelque chose qui vous besoin additionnel, l'énergie. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de pas faire ça. C'est-à-dire, je suis obligé de rester en place. Mais comme Jimon, pour faire faillite dans ce côté-là, côté bêtement, il trouve lui dans l'enfer parce qu'il n'est pas une conne, construit une relation qui, d'après cadré avec l'islam, comme Jimon, un Jimon finira dans l'enfer à cause d'un sat. Un sat, une créature qui est passée ou pas même getli. Un sat finit un Jimon dans l'enfer parce qu'il n'est pas nourri sa sat. Et ni il finit laisser à l'autre sa nourriture. De l'autre côté, une prostituée finit un paradis à cause d'un lycien. Parce qu'il agit bien avec sa lycien. Ce bon sahaba finit dire, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Moussa d'Ahmed. Il dit, Ya Rasulallah, une madame, une sahabia, il fait tout son ibadat, mais seulement, il fait dit tout son voisin. Il s'est salté contre eux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une nar, il est dans l'enfer. Qui veut dire, si sa madame pas arrêté, il peut trouver lui dans l'enfer. Qui vient faire tout ce ibadat qu'il vient faire, son relation avec Allah, ok. Mais seulement Allah vient donner nous un din qui est un équilibre, qui nous a une relation qui nous appelle lui. Parfois, beaucoup de gens appellent ça relation verticale entre nous avec Allah. Mais une relation horizontale entre nous, nous ban, veut dire semblable. Alors, lui, il ne prend pas en compte, voilà qu'il arrive lui. S'il ne fait pas taouba, il peut trouver dans l'enfer, mais bien sûr, il vient faire taouba parce qu'Allah vient satisfait avec tout, ban sahaba. Alors donc, tout cela peut montrer nous, frères en islam, nous besoin veiller chaque action. Est-ce qu'il m'offre prend hak un musulman par mes paroles, m'offre faire dito un musulman par mes paroles, m'offre faire dito un musulman par mon action, par mon comportement. Sourah Hujurat, qui fait Sourah Hujurat, peut montrer nous l'impact comportement un musulman vis-à-vis de ce frère. Comment Allah peut dire bi'salismul fusuq ba'da al-iman, ou mal agir lien transgression après iman, qui veut dire il répercute le iman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit atadruna mal muflis. Est-ce que je te connais qui veut dire un muflis? Qui s'en a le perdant? Inch'Allah, deuxième khutbah, nous terminons ce hadith qui est très important. Al muflis wa sallillahum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atadrouna mal muflis, est-ce que je te connais, ô mon bon sahaba, qui s'en la fin fait faillite? Alors quand on cause faillite, définitivement, nous l'esprit alvéa l'argent, le matériel. Il peut dire sur l'argent, il peut dire sur la case, sur le business, il est tombé. Alors, ben sahaba fait une raison comme ça, man la dirham alahu wa la dinar, c'est lui qui paye na dirham, dinar, paye na l'argent. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, al muflisu min ummati, le perdant, c'est lui qui ne fait faillite dans ma ummat. Man ata yawm al qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Il peut venir le jour du qiyama, il fait tout ce salat, il fait une gâte sur rosa, il donne ce zakat. Mais seulement, il ne prend pas en considération l'aspect relationnel de l'islam. L'aspect relationnel qui nous supposer, prend ça comme une petite chose fondamentale qu'on vive avec Jimoun, même avec un non-musulman. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il cause bonne parole, parfois il fait dans le sens général, ittaqu da'wat al-mazloum, paix, invocation, un qui vous peut faire dito, vous peut faire injustice avec lui. Pas dit un musulman là-dedans. Si Allah sanctionne un musulman à cause d'une maladie avec un lycien, d'une maladie avec un sat, est-ce que Allah pour tolérer un musulman, faire dito un insan, qui lit, par nature, est plus supérieur qu'un animal? Raisonnement, est très simple pour nous raisonner, que n'importe qui façon qui, ou fin abuse, leur relation, ou vous payez les conséquences d'akhirat. Quand chata mahad, les fin agresse verbalement un jimoun, pas bien souffrir là-dedans. Les fins agressent verbalement n'importe qui s'en a. Le professeur Hassan n'est pas spécifié, il est capable musulman, il est capable non musulman. Les fins battent un tel. Les fins coquent un tel. Je dis parfois, il y a une idée bizarre qui vient que nous faire différence dans agir avec un musulman et un non musulman. Oui, un musulman, il a un droit sur plus. Mais un non musulman, il a un droit. Qui beaucoup de monde peut faire différence, mais ça non musulman, ça gagne droit tout il lit, gagne droit qu'aucun lit, gagne droit bislo lit, gagne droit qu'aucun sur madame. Ça c'est ben l'idée bizarre qui vient. Alors que dans le hadith Abu Daoud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour un sahaba vient donner lui un troupeau mouton cadeau. Quand un troupeau mouton cadeau qui consiste l'argent, ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute, tu es un gars saint-il. Il dit, mon coquin. Avec ça, tu es un coquin. Mouchirik. Mouchirik, ça m'a coquin sur mon mouton, mon donne-toi, ya Rasulallah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, retourne ça, dis-moi, son mouton. Son hak, ça. Retourne son mouton. Qui montre-nous, frère, en islam. Islam, c'est un dîne extraordinaire qui est parfait. Qui s'acquène et n'a pas de droit. Mais seulement, il fait une coquin. Ou akada fahada. Il fait une mettre fausse sauce, non est-il? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous fait pour qu'on pense sur une victime. Pour qu'on pense sur une victime. Ça n'a là pour mérite tant de ce sawab qu'il est fini de gagner avec ce salat, avec ce rosa, avec ce zakat. Ça n'a là pour mérite tant de compensation depuis une bonne action qui finit accumulée dans valise, ça, bon djimoun qui fait tout ça, ibadat, mais c'est mal une malagie. Jusqu'à arriver un point que tout ce bon action est fini. Mais c'est mal, il y a encore droit. Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre PC sa bonne djimoun pour mettre l'eau sur compte. Thumma turiha finnar. Ensuite pour prendre lit, pour fouetter lit dans l'enfer. Donc, frère en islam, là, amène-nous à la conclusion qui, définitivement, automatiquement, nous tous pour trouver qu'un musulman est préoccupé en lui-même. Un musulman, depuis qu'il est dormi jusqu'à qu'il a dormi, il est préoccupé en lui-même, il n'a pas gagné droit, il n'a pas gagné le temps, veille à faire un tel, guide un tel qui peut faire, pense-le un tel, critique un tel, il n'a pas gagné le temps, lui. Parce que chaque moment, il peut besoin veiller sur l'action qu'il finit de faire, qui s'en a ça, c'est le vrai croyant. Le vrai croyant, il n'y a pas gagné les temps même, gagné traqué les autres, il besoin veille-li, sape lui-même, sape son madame, sape ses enfants, ensuite sape son maman, papa, sa famille, et ensuite, bon frère musulman, veut dire sur la vie, il est tout le temps busy dans sa relation avec Allah, dans sa préparation pour le jour du Qiyam. Alors, devant Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq, frère en islam et sœur en islam. والحمد لله واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون